Coucou les amis, bienvenue dans notre nouvelle vidéo où nous allons faire une nouvelle recette de slime. Alors, aujourd'hui nous avons pris la colle Cléopâtre, la glucola, que j'ai déjà utilisée dans d'autres vidéos. Voilà, je l'avais utilisée avec le petit produit magique Cléopâtre. On avait fait un slime de beurre. Là, on va pas s'en servir. On va prendre avec notre glucola le petit activateur, voilà, du kit Girl Zone. Et c'est parti. Voilà. Donc, on va utiliser la glucola. On va la doser avec le gobelet doseur à raison de 30 ml. Voilà la dose qu'on fait généralement pour les slimes. Voilà. On va le verser ensuite dans notre petit bol. Voilà, on racle bien le tout pour bien récupérer les 30 ml. Maintenant, on va mettre un petit peu de colorant violet, colorant du kit Girl Zone également, pour découvrir donc ces kits de fabrication de slime que nous avons déjà testés. Les vidéos sont disponibles dans notre playlist slime. Je vous mettrai le lien de la playlist dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, une fois qu'on a mis le colorant, on va bien mélanger. Voilà, pour avoir quelque chose d'homogène. Donc on a mélangé à environ 30 secondes. Maintenant, on va rajouter notre activateur Girl Zone, qui est un très bon produit. Voilà, avec le petit bouchon verseur, ça évite d'en mettre trop, de pouvoir bien doser. Alors, si on n'en met pas assez, le slime sera trop collant. Si on en met trop, il sera trop dur. Donc, déjà, on met une cuillère. Et on va déjà mélanger avec une cuillère pour voir ce que ça donne. Vous voyez, tout de suite, on a un beau slime qui se forme avec une superbe couleur. Voilà, on va pouvoir donc commencer à le pétrir. Donc, 5 bonnes minutes pour avoir un slime d'une belle texture, d'une belle matière, avec lequel on pourra vraiment bien s'amuser. Maintenant, on rajoute nos petites billes de mousse. Donc, j'ai pris des turquoises et blanches. Voilà, je trouvais qu'avec le violet, ça faisait très joli. J'en ai mis beaucoup exprès pour que ça nous fasse vraiment un slime bien croquant et bien craquant sous les doigts. Maintenant, on va le mélanger pour faire adhérer toutes nos petites billes de mousse dans notre slime. Voilà, donc la glucola, elle marche très bien. Et on continue à le malaxer. Regardez la couleur. C'est super joli. Il est vraiment élastique. Il a vraiment une matière très, très agréable. Voilà, un slime avec lequel on pourra s'amuser pendant des heures. Super déstressant, pas collant aux doigts. Voilà, c'est vraiment un beau slime, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais le ranger dans son petit pot parce que j'ai pas envie qu'il sèche, évidemment. Voilà. Et le voici. Vous voyez comme il est beau? J'espère que ça vous a plu, en tout cas, pour cette recette de slime. N'hésitez plus, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait en attrapant le petit chat dans la bulle. N'hésitez pas à nous envoyer des petits commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Et un petit like si vous avez aimé cette vidéo, ça nous fera énormément plaisir. À très bientôt les amis!